s'approchent pas from us. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors connecte-toi à l'onction et la puissance du Saint-Esprit à travers l'adoration et la louange. Avec l'évangéliste immortel Kaneki, The Worshipper Soul, l'âme adoratrice et l'immo Yamandoli. Worship House. Nous allons parler de la part du Seigneur. Adore avec moi. Alléluia. Chaque matin par son amour, tu n'as rien donné, encore tu peux adorer. Adore-le une fois. Alléluia. 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 Élève juste ta voix, dis Seigneur, tu mérites encore mieux que ça. Tu mérites encore mieux que ça. Élève ta voix. Beaucoup sont morts, tu es resté en vie, tu gardes avec amour. Par sa bonté, il renouvelle tes jours. Oh. Oh. Entre juste dans cette mélodie et adore, adore, adore. Adore, adore le Seigneur, car il mérite, il mérite. Ah. Il mérite ton adoration. Jésus, 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 Jésus. Où est-ce que tu peux acclamer avec moi l'agneau de Dieu? Ce matin, je suis venu te parler encore une fois. Je suis venu te parler une fois. Ce matin, je suis venu parler à un cœur. Je suis venu parler à un cœur. Ce matin, je suis venu te parler. Oh my God. Connecte-toi dans la présence du Seigneur. Oh, Alléluia.
Nous allons adorer. Ce matin, je suis venu parler avec toi. Que le Seigneur soit loué, que Dieu soit loué, le maître du temps et des circonstances. Cette mélodie va continuer à jouer en bas parce que j'aime trop. Et vous allez comprendre, lorsqu'on est baigné dans la présence de Dieu, toute chose, tout est possible. Ce matin, Dieu me donne une parole pour venir te parler. Excusez-moi. J'étais déjà parti un peu loin. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour cette chaîne, la voix céleste de son serviteur Alvin Béa, qui nous a donné cette opportunité de venir prêcher la parole de Dieu, adorer. Il y a un temps, je prêchais sur cette chaîne, mais suite à des voyages, à des déplacements, des travaux, ça a fait en sorte que je puisse être un bon moment absent. Mais Dieu a permis encore, nous a donné encore cette opportunité de venir parler. On aura chaque fois ou chaque jour, si Dieu le veut, 15 à 20 minutes de partage et 5 à 10 minutes d'adoration. Donc, que j'appelle Worship Forever, un temps devant le Seigneur. La parole de ce matin que Dieu a mis dans mon cœur pour partager avec toi. Et j'étais en train de pleurer. J'étais à genoux, j'étais en train de pleurer. À demander à Dieu, Seigneur, pourquoi et pourquoi. C'est presque chaque jour que cette chose m'arrive, d'être à genoux, avec plein de questions devant le Seigneur, dire Seigneur, pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça. Vous savez, deux fois les choses traînent, deux fois on n'a pas de réponse, deux fois il y a un silence qu'on n'imagine pas. Ce silence qui nous pousse deux fois, c'est dire, est-ce que je suis chrétien ou pas? Est-ce qu'il y a un Dieu ou pas? Est-ce que? Ça nous arrive toujours, nous tous, ça nous arrive dans la vie, de se demander tant de questions. Nous vivons avec des questions dans le cœur. Nous vivons avec plein de questions. Même si nous cherchons quelqu'un pour demander, il n'y aura aucune bonne réponse. Croyez-moi. Les questions qui entourent, qui envahissent, qui dérangent nos cœurs sont difficiles à trouver de réponse par les humains. Tu peux t'adresser à n'importe qui. Tu peux parler à n'importe qui. Tu peux pleurer jour et nuit. Tu ne trouveras aucune réponse. Cette question, tu cherches à vivre heureux, tu cherches à être heureux, tu cherches à être comme tout le monde. Mais lorsque tu arrives à ce point, la question revient. Oh, mais tu te dis, Seigneur, pourquoi? Et moi, ça m'est arrivé, ça arrive souvent. J'ai passé un moment dans ma vie à se faire tant de questions. Nous vivons avec des questions jour au jour. Nous vivons avec des questions depuis peut-être que nous sommes nés. Depuis un certain moment, nous vivons avec des questions qu'on n'a jamais trouvé de réponse. Il y a de ceux-là qui entrent même dans des chemins obscurs pour aller chercher des réponses. Laisse-moi te dire ce matin, il y a quelque part où tu peux trouver la réponse à cette question qui te tourmente chaque jour. Le thème de ce matin que Dieu me donne, Dieu me met à cœur de parler ce matin. Et si Dieu te dit non? Et si Dieu disait non, quelle sera ta réaction? Et si Dieu te dit non, quelle sera ta réaction? Ou quand Dieu dit non, quelle est ta réaction? Quelle est ta position devant le nom du Seigneur? Donc, en un mot, quand Dieu refuse, comment tu réagis? J'aimerais que tu suis attentivement. Je vais voir deux personnes dans ces livres. Et je vais te dire pourquoi deux fois Dieu dit non dans plusieurs des choses que nous faisons dans la vie. Quand Dieu te dit non, quelle est ta réaction? Ou quand Dieu refuse,
Quelle est ta position? Quelle est ta décision après le nom de Dieu? Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses comprendre ce que je veux dire ce matin. Je ne serai pas très long. Il y a la plupart de fois dans la vie, il y a des choses qui bloquent. Il y a des choses qui ne marchent pas correctement telles que nous voulons. Nous espérons peut-être faire mieux que ce que nous sommes en train de faire. Nous espérons peut-être vivre mieux que ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Mais ça ne va pas. De fois, de notre conscience dans nos cœurs, de fois, avec nos pensées, nous disons « Ah, ce sont des sorciers par-ci, par-là, c'est ma famille. » Il y a des églises même qui nous ont conduits dans cette erreur. Il y a des églises même qui nous ont induits dans des erreurs de dire que non, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est parce qu'il y a la sorcellerie de telle, la sorcellerie de la famille, le lien de quelque part, le lieu. Mais deux fois, on oublie que il y a des choses qui ne marchent pas, pas parce qu'il y a un sorcier qui t'a bloqué, mais parce que Dieu a dit non. Bien-aimé, étant qu'un enfant de Dieu, j'ai toujours dit ça. J'ai toujours dit ça. Un enfant de Dieu, vrai, je dis un vrai enfant de Dieu, c'est difficile que ces histoires soient bloquées dans la main de sorciers ou de magiciens. Pourquoi? Parce que tout ce qui est à lui est protégé sous la main du Très-Haut. Je ne sais pas comment accepter, je ne sais pas comment admettre quelqu'un qui porte Christ en lui et en même temps il porte Christ et en même temps il est dans la main de sorcier. Ce que Dieu tient dans sa main, personne ne peut l'arracher, croyez-moi. Ce qui figure, celui qui reste dans la main du Très-Haut, abrite sous l'ombre du Tout-Puissant, la Bible nous le dit, celui qui reste dans la main du Très-Haut, comment peut-il rester encore entre les mains des sorciers ou entre les mains de la coutume de la famille, entre les mains de quelque chose de paranormal, quelque chose comme ça. Le diable existe et nous le savons tous. La sorcellerie, la magie, tout ça, ça existe et nous le croyons et nous le savons. Mais il y a un Dieu au-dessus de toutes ces choses. Toutes ces choses sont sous la domination de la d'une puissance divine, de la puissance du Saint-Esprit ou de la puissance de Dieu que nous pouvons dire. Alors, un vrai enfant de Dieu qui croit réellement en Dieu et qui marche réellement selon la volonté de son Père, c'est difficile qu'il puisse rester dans la main des sorciers. La Bible dit le malheur atteint souvent le juste. Et oui, mais l'Éternel en délivre. Tu sais pourquoi l'Éternel en délivre? Parce que tu es son fils à lui. Parce que tu lui appartiens. Comme tu lui appartiens, tu n'appartiens pas au camp du diable. Dieu te délivre dans n'importe quel malheur. Et tant qu'enfant de Dieu, tu es dans la main du Très-Haut. Et tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre que tout ce qui se passe avec toi, toute chose qui arrive dans ta vie, tout ce qui peut se passer avec toi, est vraiment la volonté et dans la volonté de ton Père. Le diable n'a aucun pouvoir de retenir longtemps. La Bible dit le malheur atteint, mais l'Éternel en délivre. Nous savons que le diable attaque tous les jours. Le diable le combat tous les jours. Et c'est ça son combat, c'est ça son devoir. Mais la Bible dit l'Éternel en délivre. Laisse-moi te dire, la plupart des choses qui arrivent dans ta vie, la plupart des circonstances de vie, la plupart des choses qui nous entourent, tout ce qui nous entoure dépend de ce que Dieu avait préparé pour nos vies. Ce que Dieu avait préparé, que ça soit, ça puisse faire partie de notre parcours sur la terre, c'est ce qui nous arrive. Regarde, il y a deux fois tu te demandes, tu pries, tu crains Dieu. Tu marches dans la crainte de Dieu, tu gênes, tu fais tout ce que la Bible dit, tu obéis à la parole de Dieu. Mais la chose n'avance pas et il y a un couac quelque part. Et là, tu as des questions, mais j'applique la Bible, je respecte la Bible, j'obéis, je donne ma dîme, je fais ça, mais qu'est-ce qui ne va pas? Laisse-moi te dire, ce qui ne va pas avec toi, ne vient pas de la main du sorcier. Ce qui ne va pas avec toi ne vient pas de la main du démon, ni de la main de ta coutume. Il y a de ceux-là qui ont été convaincus parce qu'on a prêché. Que non, si ça ne marche pas, parce que tu as péché quelque part, ou parce que tu es lié quelque part, parce qu'il y a un lien. Il y a de ceux-là qui ont traversé même de délivrance en délivrance, en cherchant à la quête de réponse, à la quête de solution de ce qui le tourmente. Deux fois, cette situation te pousse à douter de ton identité,
à douter de ta croyance, à douter de ta foi. Des fois, ça te pousse à douter de ta foi. Ça te pousse, tu te demandes, mais j'obéis, mais je donne la dîme, mais je suis tout le temps à l'église, mais je prêche, mais je fais ça. Mais pourquoi ça ne va pas? Mais pourquoi? Deux fois tu restes, tu calcules, tu réfléchis et tu as mal à la tête, tu penses, tu réfléchis, tu ne trouves aucune réponse. Des fois tu t'es dit, tu restes calme, tu dis, est-ce que je suis vraiment enfant de Dieu? Est-ce que je suis vraiment? Est-ce qu'il y a un Dieu qui existe? Est-ce que cette Bible, la parole de cette Bible est vraiment réelle? Il y a quelqu'un qui s'est déjà demandé comme ça, mais moi, je suis arrivé à ce point. Je suis arrivé un jour en train de dire, avec larmes aux yeux, dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? Des fois, il y a de ceux-là qui disent, non, mais pourquoi ces païens-là qui font ça, ils sont bénis, ils sont comme ça, mais pourquoi pas moi? Est-ce que ça t'est arrivé de te demander comme ça? Mais laisse-moi te dire, peu importe ce qui peut t'arriver, peu importe la situation qui peut tourner, si tu sais ton cœur avec pleine conviction que tu es un enfant de Dieu, que tu crois en Dieu, tu obéis en Dieu, laisse-moi te dire, cela ne changera rien. Tu resteras enfant de Dieu et tu aimeras Dieu, il va t'aimer, il t'aime. Dieu t'aime, peu importe la situation, Dieu t'aime, peu importe les circonstances, peu importe le moyen que tu traverses, peu importe les difficultés. Dieu t'aime comme ça. Deux fois tu vis avec des questions. Des fois tu craques, il y a de ceux-là qui pleurent nuit et jour. Tu plairais, tu dis Seigneur. Mais tu dois comprendre une chose. Laisse-moi te dire ce matin une chose. Ce n'est pas toutes nos prières qui sont seulement exaucées positivement. Ah, là tu dois le savoir. Dieu deux fois dit non à nos prières. Dieu deux fois dit non. Je vais te dire pourquoi. Dieu deux fois peut te dire non des années et ça reste non. Tu ne peux rien faire contre sa volonté. Lorsque Dieu dit non, il est catégorique. Dieu ne dit jamais oui à tout. Il y a des prières que Dieu dit non. Maintenant, ce matin, je ramène la question. Ce matin, je suis venu demander à un enfant de Dieu. Ce matin, je suis venu parler à un enfant de Dieu. Quand Dieu dit non, quelle est ta réaction? Quand Dieu s'oppose, quelle est ta réaction? Quand Dieu dit non. La Bible nous dit dans le livre des Genèse, chapitre 4, Abel et Caïn sont partis offrir à Dieu. Ils sont allés offrir à Dieu. Et Dieu a agréé. Dans le livre de Genèse, chapitre 4, verset 4, Dieu a agréé la prière d'Abel. Dieu a trouvé bon d'agréer juste la prière d'Abel. Ah, ça, c'est dans sa volonté. Laisse-moi te dire, Dieu peut répondre non à ta prière, pas parce qu'il ne t'aime pas. Non. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Mais Dieu peut répondre non à ta prière juste pour te préserver de quelque chose qui peut t'arriver devant. Juste peut-être pour te garder pour un temps qu'il a préparé pour toi. Quelle est ta réaction? Quelle est ta réponse? Quel est ton agissement quand Dieu dit non? La plupart de nous se sont décidés de se détourner contre Dieu parce que Dieu avait dit non à sa prière. Parce que Dieu a répondu négativement à sa prière sans savoir pourquoi Dieu a dit non. Il y a des hommes de Dieu qui ont perdu leur foi parce qu'ils ont prié un malade, ils ont chassé un démon, ils ont dit non, la Bible a dit, vous chasserez les démons en mon nom et vous imposerez les mains sur le malade. Mais pourquoi moi j'impose la main sur le malade et le malade ne sont pas guéris? Mais pourquoi? Tu sais pourquoi Dieu deux fois nous répond non? Parce qu'il sait ce qu'il y a devant, ce qu'il y a après ta prière, ce que tu demandes, il sait
Quelles sont les conséquences de ce que tu demandes maintenant? Il sait, non, ce que tu demandes maintenant, si je donne maintenant, qu'est-ce qui peut arriver maintenant? Mais si je conserve ça pour un temps, le temps parfait, le temps qu'il faut que cette chose arrive, tu seras bien. La plupart de nous, lorsque Dieu a dit non à leur prière, ils se sont détournés du Dieu. Ce mariage ou ce travail que tu demandes maintenant, Dieu peut dire non à ça parce qu'il sait pourquoi. Il y a des gens que Dieu a dit non dans la Bible. Lorsque Dieu dit non à Caïn, vous savez qu'est-ce que Caïn a fait après? Il a tué son frère. Caïn a touché le sang de son frère parce que Dieu avait dit non. Mais lorsque Dieu a dit non à Caïn, il n'avait pas dit non à Caïn parce qu'il ne l'aimait pas. Devant le non de Dieu, devant le refus de Dieu, beaucoup de nous, c'est peur. Peur, le contrôle, cherche des solutions autrement. Qu'est-ce que tu fais lorsque Dieu te dit non? Comment tu réagis lorsque Dieu te dit non? Est-ce que lorsque Dieu te dit non, tu cherches seul ta solution? Tu cherches ailleurs lorsque Dieu te dit non? Beaucoup parmi nous ont cherché ailleurs lorsque Dieu a dit non. Beaucoup ont rejeté Dieu parce que Dieu n'a pas donné ses mariages. Beaucoup ont rejeté Dieu, sont partis chez le sédiciaire parce que Dieu n'a pas donné l'enfant qu'il a longtemps cherché. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu a dit non à ta prière? Tu sais pourquoi Dieu ne t'a pas donné ses mariages maintenant? Tu ne sais pas. Quelle est ta réaction lorsque Dieu dit non? Quel est ton agissement lorsque Dieu dit non? Abel, lorsque Dieu a Caïn, lorsque Dieu a dit non, il a tué son frère. Vous savez son sort après? Maudit à jamais. Errant comme du vent par-ci par-là. Lorsque Dieu dit non et que tu t'opposes à son non, des conséquences plus graves viennent après. La Bible nous dit, lorsque Dieu a dit non à Abel, Abel s'est révolté, il s'est fâché, il dit non, tu ne peux pas me dire non. Non, tu ne peux pas, nous deux, on vient d'offrir et toi, tu ne peux pas me dire non. Alors, comme tu as dit non, je tue mon frère. Abel prend, à Caïn prend, il tue son frère. Bien-aimé, est-ce que agis-tu comme Caïn? Lorsque Dieu te dit non, qu'est-ce que tu cherches après? Lorsque Dieu dit non à ce travail, tu peux bien commencer le travail. Tu peux bien commencer un travail avec 10 succès. Et ce succès, 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 succès en succès. Mais il y a un temps, ce travail s'arrête. Ce business s'arrête. Dieu dit maintenant stop. La plupart des gens, lorsque Dieu nous donne, on est content, il est Dieu, on prie en langue, on prêche, roba, shimaneba. Lorsque Dieu dit non, il devient le pur ennemi de notre vie. Ah, il ne m'aime plus. Ah non, il n'existe pas. Lorsque Dieu te donne, il existe. Lorsqu'il dit non, il n'existe pas. On perd patience, on perd notre foi. On désespère, on oublie tout ce qu'il avait fait pour nous. On oublie tout ce qu'il avait fait. Abel et Caïn, Caïn était un enfant de Dieu. Il est parti offrir, sacrifier l'offrande comme Abel. Lorsque Dieu a dit non, Abel a pris son frère, il a tué son frère. Mais je vais voir avec vous ici quelqu'un que Dieu a dit non dans la Bible. Mais qui a compris? La Bible nous dit dans le livre de Luc, chapitre 22, verset 42. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux et il pria. Écoute cet homme qui fait sa prière. Il pria, il dit, disant, Père, si tu voulais, éloigne de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. La douleur était énorme. Il a vu ce qui lui arrive devant. Il a dit, je ne peux pas supporter cette douleur. Je ne peux rien faire. Cette douleur, non, 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 non. Père, il s'agenouille. Il dit, Père, éloigne-moi cette coupe, s'il te plaît. Je demande, éloigne cette coupe de douleur. Éloigne cette coupe de célibat. Éloigne cette coupe de manque de travail. Éloigne cette coupe de l'humiliation, mais toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. Jésus a compris qu'il peut prier, mais le Père pouvait dire non. Mais exactement, le Père lui a dit non. Mon fils, tu es descendu là-bas pour monter à la croix. Cette fois-ci, tu vas monter à la croix. La Bible dit, l'ange vient pour le consoler. Tu sais ce que lui disait l'ange? Non, calme-toi, Seigneur. La croix est là, tu dois monter parce que tu dois accomplir la volonté du Père. Des fois,
fois Dieu nous dit non pour accomplir sa volonté. Deux fois Dieu nous dit non pour éclater sa gloire. Dieu nous dit non avec bite. Deux fois nous faisons de prières, Dieu nous dit non avec bite. Jésus s'agenouilla, il vit la grandeur de la souffrance, il vit la grandeur de la douleur. Il dit, Père, éloigne cette coupe. Le Père dit, ange, vas-y, dis-lui, mon fils, pour le moment, tu dois monter à la croix. Et le fils dit, bon, que ta volonté soit faite alors. Comme tu as dit non, je monte à la croix. Mais après avoir accepté le nom de son père, après avoir monté à la croix, la Bible dit qu'il a été élevé et il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Il est assis à la droite du Père. Le nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms, après avoir accompli la volonté de son Père, le nom de Jésus est élevé au-dessus de tous les noms. Que fais-tu lorsque Dieu dit non? Bien-aimé, que fais-tu? Quelle est ta réaction? Lorsque Dieu dit non dans ta vie, lorsque toutes choses stoppent, lorsque cette chose-là qui t'aide ne marche plus, lorsque ce mariage perturbe, lorsque cet enfant que tu attends n'arrive pas, qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi te dire ce matin, lorsque Dieu dit non, ne désespère pas. Lorsque Dieu dit non, ne quitte pas. Lorsque Dieu te dit non, ne n'abandonne pas. Lorsque Dieu stoppe toutes les choses autour de toi, même ce qui marchait bien ne marchait plus, ne t'éloigne pas parce qu'il sait ce qu'il prépare après. Tu peux vivre dans le bonheur, mais un temps tout stoppe. Tu peux vivre dans la joie, mais un temps tout stoppe. Ce ne sont pas seulement le sorcier de ta famille parce que tu es enfant de Dieu. Ils ne sont pas capables de te freiner, mais ça peut être un nom de Dieu. Dieu dit non, mon fils, stop ici parce que je crois qu'on doit passer à l'étape suivante. Alléluia. Dieu peut te dire, mon fils, on arrête un peu ici, ma fille, tu te maries pas maintenant. Ma fille, calme-toi, ton mariage ne vient pas maintenant. Parce que moi, je vois quelque chose de différent. Ma fille, attends, tu vas pas voir l'enfant maintenant. Lorsque Dieu dit non, ne désespère pas. Lorsque Dieu dit non, ne lâche pas. Lorsque Dieu dit non, il reste Dieu pour ta vie. C'est là que tu dois encore dire, Père, je suis ici. Ah, lorsque tu avais dit oui, j'étais là. Maintenant, tu dis non, je suis encore là. N'abandonne pas. N'abandonne pas lorsque les choses ne marchent pas. N'abandonne pas lorsque Dieu a dit non. Ne restez pas à donner la culpabilité aux sorciers. Ce sont les sorciers de ma famille. C'est mon oncle, c'est mon père, c'est ma mère, c'est le lien de la famille. Non, c'est peut-être c'est un nom de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce qu'il veut éclater la gloire. Parce qu'il veut que cette chose que tu demandes maintenant arrive au temps, au moment opportun. Dieu veut que cette chose arrive. Cet enfant-là, le ventre qui est coincé, ce n'est pas parce que le sorcier. Si tu es un enfant de Dieu, tu portes cette parole en toi. Dis-moi, dans la main du Très-Haut, comment les sorciers peuvent te toucher? Un vrai enfant de Dieu, c'est celui-là qui comprend la volonté de son Père. Peu importe le prix que ça va le coûter, il est là, il attend, il ne quitte pas. Un enfant de Dieu est patient devant la volonté de son Père. Jésus était patient, peu importe la douleur, peu importe la souffrance, les chicottes, les fouets, il était là. Père, ça fait mal, mais j'attends. Père, on frappe ici, mais j'attends. Il partait en train de mourir après avoir fait cette prière que tu as toujours fait. Mais Père, ôte cette coupe devant moi. Chaque jour, tu t'agenouilles, tu dis, mais Père, ôte cette humiliation devant moi. Chaque jour, tu dis, Père, donne-moi cet enfant. Père, ôte cette humiliation devant moi. Laisse-moi te dire ce matin que Dieu ne t'a pas laissé. Dieu n'a pas dit que tu n'es plus sa fille ni ton fils. Mais Dieu a dit non. Ce nom de Dieu, c'est juste temporaire. C'est pour un temps. Il sait quand est-ce qu'il va éclater sa gloire dans ta vie. Crois-moi, sois patient. Sois patient à la gloire qui arrive devant. N'abandonne pas, ne réagis pas de ta façon. Ne tue pas Abel comme a fait Caïn parce que Dieu lui avait dit non. Oh my God, ne tue pas Abel. Il y a un temps pour toutes les choses.
Il y a un temps où tu peux vivre dans le bonheur, mais il y a un temps où tu vas descendre. Mais cherche dans toute foi, dans toutes ces circonstances, à savoir quelle est la volonté de Dieu. Le nom de Dieu est parfait. Le oui de Dieu aussi est parfait. Alors restez là. N'agis pas négativement. N'abandonne pas, ne quitte pas. N'abandonne pas et ne quitte pas. Il peut rester. Tout stoppé, c'est lui qui t'avait donné ce que tu as. C'est lui qui t'avait donné la gloire de la seconde maison sera toujours meilleure que celle de la première. Ma fille, laisse-moi te dire, si tu n'as pas d'enfant aujourd'hui, il va te donner demain. Si Dieu ne t'a pas exaucé aujourd'hui, attends, ne désespère pas. Ne prends pas une décision qui va te conduire dans la malédiction comme c'est passé avec Caïn. Ne cherchez pas un autre Dieu. Ne l'abandonne pas parce qu'il a dit non aujourd'hui. Il dit non, il est Dieu. Il dit oui, il est Dieu. Il fait chaque chose dans sa volonté. Lorsque tout stoppe dans ta vie, qu'est-ce que tu fais? Lorsque Dieu dit tu ne vas pas voir l'enfant aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu te demandes si tu es enfant de Dieu. Laisse-moi te dire oui, tu es enfant de Dieu. Laisse-moi te dire qu'il t'aime encore. Même s'il a dit non à ta prière, il t'aime. Même s'il a dit non à tes demandes, il t'aime. Mais laisse-moi te dire, il sait ce qu'il est en train de calmer. Peut-être si tu donnes cette voiture maintenant, tu vas tourner la tête et tu vas mourir en accident avec la voiture que tu as. Mais Seigneur, pourquoi toujours moi à pied? Pourquoi moi toujours à pied? Il sait que tu vas te cogner au mur et tu vas mourir. Il te préserve, mon fils. Attends, tu auras ta voiture. Tu auras le bébé que tu as demandé. Tu auras ce super mariage que tu as demandé. Mais ma fille, attends un peu, doucement, juste un peu. Dites avec moi, juste un peu, ça arrivera. My God. Juste un peu de temps, Jésus devait accepter les noms de son Père. Le Père, il a dit, Père, peux-tu éloigner cette coupe devant moi? Peux-tu éloigner cette douleur de la croix? Le Père a dit, mon fils, on s'est entendu que tu montes à la croix pour sauver ces gens, ils sont trop méchants. Ah, mon fils, tu montes à la croix? Il dit, oui, Père, je vais patienter, je vais monter. Jésus a obéi, Jésus a compris qu'il devait accomplir la volonté de son Père. Jésus a tout compris, oh mon Dieu, Jésus a compris. Il a dit, c'est la mission, et toi, un enfant de Dieu, est-ce que comprends-tu lorsque Dieu dit non? Ou tu désespères carrément? Est-ce que comprends-tu lorsque tout est en baisse? Ou tu perds contrôle? Il y a de ceux-là qui font du n'importe quoi. Et elle était sérieuse, maintenant elle doit se prostituer parce qu'elle quitte l'église. Elle doit insulter le pasteur. Non, ils ont faux. Ce sont des faux. Et non, il n'y a plus de puissance. Dieu n'existe pas. La Bible, je jette à côté. Bon, voilà, je vais me chercher des solutions. Des solutions. Mais regarde, depuis qu'il t'a commencé à chercher tes solutions, qu'est-ce que tu as gagné de concret, de bien dans la vie? Rien du tout. Laisse-moi te dire, lorsque Dieu dit oui, c'est parfait. Mais lorsqu'il dit aussi non, c'est parfait, il sait quoi? C'est à toi de comprendre. Mais pourquoi le Seigneur a dit non maintenant? Il y a des hommes, des dieux, qui ont prié sur le malade et les malades ne sont pas guéris. Ils commencent à se questionner, mais est-ce que je suis vraiment serviteur? Et puis chaque fois on lui dit, bon, si tu veux recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, il avance. On prie pour lui aujourd'hui. Aujourd'hui, les choses ne marchent pas. Non, je pars chercher, on doit me délivrer. On doit me délivrer même. Ce sont des démons de ma famille, je dois être délivré. Laisse-moi te dire, tu vas être délivré aujourd'hui, demain, après-demain. Oui, demain, Dieu te dira, non, ma fille. Non, tu restes là. Tu tombes aujourd'hui, tu t'élèves demain. Dieu dit, mon fils, non. Et que tu fais après? Ah, pourquoi? Pourquoi moi? Ah, Seigneur, laisse-moi te dire, ce qui traîne aujourd'hui, demain t'apportera une gloire extrême. Cet enfant qui n'arrive pas, maman, cet enfant qui n'arrive pas, demain, tu auras un ministre de ce pays. Maman, laisse-moi te dire, ce mariage qui n'arrive pas parce que Dieu veut que demain tu puisses te marier à un président. Est-ce qu'il y a une femme qui a écouté ce que j'ai dit ce matin? My God! Tu veux quoi? Tu veux épouser qui? Non, je vais épouser un docteur. Dieu dit non, ma fille, attends un peu. Toi, je t'ai préparé pour épouser un président.
papa, pourquoi le mariage n'arrive pas? Ma fille, attends un peu. Parce que demain, tu seras la première dame. My God. Oh my God. Je sens bien lorsque je parle de Jésus. Je sens bien lorsque je parle de ces dieux. Laisse-moi te dire, lorsque Dieu dit non, c'est pour te préparer à des choses grandes, des grandes choses pour ta vie. Dieu, lorsque Dieu dit non, non et non. Et je t'ai dit encore une fois, son oui est parfait et son non est parfait. Attends. Attends, que fais-tu lorsque Dieu dit non? Que fais-tu lorsque Dieu arrête toute chose? Dieu peut arrêter un business et ton business tombe parce que Dieu voit que ce n'est plus ma volonté. Alors si je laissais cet enfant, il va se perdre. Alors je dois l'empêcher. Je dois l'empêcher de ne pas se perdre pour toujours parce que je veux le récupérer. Dieu peut dire non à ton travail parce qu'il veut te récupérer. Dieu peut dire non à quelque chose que tu aimes parce qu'il veut te préserver. Dieu peut dire non à tes prières aujourd'hui et aujourd'hui, demain et demain, parce qu'il voit non. Si je lui donne aujourd'hui, il ne fera pas, il n'arrivera pas là où je pense. Alors je le préserve. La Bible dit, lorsque Dieu s'est décidé de donner à Abraham Isaac, il est devenu le père de multitudes. Dieu a fait Abraham le père de multitudes. D'Isaac, descendance, Jacob, Israël, multitude. Oh my God. Sois patient. Lorsqu'il dit non, sois patient. Lorsqu'il dit non, sois patient. Lorsqu'il dit non, sois patient. Car après son non, après son refus, il y a une gloire. Lorsque tu marches dans la volonté, lorsque tu marches dans la crainte, lorsque tu marches, c'est lorsqu'il veut, il éclate sa gloire dans ta vie. La Bible dit Sarah a eu Isaac. La Bible dit Jésus a été glorifié. Tous ces gens qui ont patienté après le nom de Dieu, ah, ils ont éclaté dans la gloire. Laisse que cette parole puisse bénir les cœurs de quelqu'un. Laisse que tu ne puisses pas désespérer. Laisse que tu ne puisses pas te questionner. Ne doute pas de ta foi. Ne doute pas de ta foi. Ne te fais pas trop de questions en train de te demander « Est-ce que je suis enfant de Dieu ?» Moi, je viens te dire ce matin, oui, tu es enfant de Dieu. Oui. C'est pas parce qu'il a dit non que tu ne plies son fils, non. Il t'aime et il t'aimera toujours. Il a dit juste non parce qu'il garde quelque chose de meilleur pour toi. Il a dit juste non parce qu'il veut que la gloire future, que tu fasses partie des hommes grands. Et aujourd'hui, ce travail que tu n'as pas réussi, tu veux être qui? Tu veux être chauffeur? Il a dit non parce qu'il te voit ministre demain. Oh, laisse-moi dire à quelqu'un, Dieu te voit dans la grandeur demain. Voilà pourquoi il stoppe des petites choses qui tournent autour de toi. Oh my God. Dieu stoppe des petites choses qui tournent autour de toi parce qu'il te voit grand. Tu fais une prière pour une petite chose, mais Dieu te voit grand. Aïe, aïe, aïe. Oh my God. Dieu te voit grand. Et toi, tu te vois petit. Seigneur, si tu m'es donné seulement 1 000 $ aujourd'hui, je vais glorifier ton nom. Dieu te regarde, mon fils, non. Tu restes comme ça, enfamé, parce que demain, je garde pour toi 1 000 000 $. Oh là, qui sauva. Qu'est-ce que tu fais lorsque Dieu dit non? Cherches-tu ta propre solution lorsque Dieu dit non? Qu'est-ce que tu fais lorsque tu cherches ta propre solution? Quand Dieu dit non, c'est la malédiction que tu attires parce que ton pur ennemi, il deviendra ton pur ennemi. Il te combattra jusqu'à la fin. Ça, c'est la guerre. Tu seras dans la pure guerre plus que la guerre des sorciers parce que c'est lui qui va te combattre. C'est lui-même, Dieu dit, pour Dieu que tu as dit, je cherche ma solution. Lui aussi, il va dire non. Ok, je bloque ici. La terre m'appartient. Toute chose m'appartient. Partout où tu iras, je bloque. Et tu ne feras rien. Crois-moi, tu ne feras rien. Tous ceux qui ont cherché la solution, tous ceux qui ont résisté au nom de Dieu, tous ceux qui ont cherché d'autres chemins sont perdus complètement. Abel, Caïn, Dieu refuse sa prière. Dieu refuse son offrande. Il dit, non, mais c'est quoi ça? Mais non, tu ne peux pas refuser ma prière, mon offrande. Ah, les coupables, c'est Abel. Viens ici, je tue. Dieu dit, ok, tu as tué parce que tu veux ta propre solution. Tu seras errant. Hey, vagabond, malédiction. Ne cherche pas ta solution seule. N'abandonne pas.
N'insulte pas, ne désespère pas quand Dieu stoppe. Quand Dieu dit non à ta prière, il t'aime. Ne te questionne pas si tu es enfant de Dieu. Oui, tu es enfant de Dieu. Ne te questionne pas, mais est-ce qu'il m'entend? Oui, il t'entend bien. Il fait ça sciemment. Il est là en train de te voir. Papa, ah, papa, pourquoi? Pourquoi? Le Seigneur dit, oui, ma fille, calme-toi seulement. Tu pleures, il compatit, regarde. Oh, il me fait pitié. Papa! Oh, tu me fais pitié, ma fille, mais tu restes là quand même. Demain, quand tu fais 30 jours, papa, Seigneur, pourquoi? Ah, je... Il dit, oh, ma fille, aujourd'hui, tu pleures trop, hein? Tu restes là quand même, ma fille. Il y a quelque chose de bien qui arrive là-dedans. Il compatit à ta douleur. Il a pitié de toi. Il compatit à ta douleur. Il écoute ta prière. Il voit ton obéissance. Il voit ta patience. Mais il le voit, non, je ne peux pas faire ça maintenant. Je dois faire ça demain parce que demain il sera meilleur qu'aujourd'hui. Dieu te préserve à quelque chose que tu ne sais pas. Dieu te garde de quelque chose que toi tu ne sais pas. Alors ne cherche pas à pousser Dieu de faire ce que tu veux aujourd'hui quand lui-même ne le fait pas aujourd'hui. Il fera ça au temps opportun. Alors laisse-moi te dire, bien-aimé, ne laisse pas. Bien-aimé, n'abandonne pas. Bien-aimé, ne t'en va pas. Il y a quelque chose de meilleur qui arrive dans ta vie. Ne cherche pas à être délivré aujourd'hui, délivré demain. Ne doute pas de ta foi. Ne doute pas que tu es enfant de Dieu. Ne doute pas. Tu es réellement un enfant de Dieu. Tu es réellement un enfant de Dieu. Tu es réellement sa fille. Il le sait. Il sait que tu es son fils. Il sait que tu es sa fille. Il sait. Il veut juste que tu accomplisses sa volonté. Et demain, tu éclateras dans ton sang, dans la gloire. La gloire qui t'attend demain. Lorsqu'il dira oui. Oh my God, lorsqu'il dira oui dans ce que tu as longtemps demandé, tu verras le bonheur et la joie de ce qu'il va te donner à ces moments précis, à ces moments. Est-ce que cette parole puisse punir quelqu'un? Tu as longtemps prié, tu as longtemps gêné, tu as longtemps rester dans la présence de Dieu et tu ne vois rien. Mais laisse-moi te dire, il est là, il t'écoute. Il veut juste faire que tu fasses sa volonté. Il est là, ne désespère pas lorsqu'il dit non. Ne désespère pas, ne le considère pas Dieu seulement lorsqu'il dit non. Seulement lorsque quand il dit oui, tu le vois qu'il est bon. Lorsqu'il dit non, il devient un méchant d'art qui est assis sur la terre. Sur sa chaise. Non, il est méchant, c'est Dieu-là, je cherche ma solution. Non, restez calme ma fille, restez calme mon fils, restez calme car il te connaît. Et ce matin, Dieu te dit, je te connais. J'attends tes prières. J'attends. Je t'ai jamais laissé. Je t'ai jamais abandonné. Je t'ai jamais rejeté. Je vais juste faire ce que tu veux au temps réel, au temps opporté, à ton temps, au temps où tu seras heureux, au temps où tu vas jouir de ça. Des fois, tu t'es dit, mais tu verras quand? Parce que maintenant, là, je vieillis, Seigneur, je vieillis. Oh, pourquoi tu me laisses comme ça? Maintenant, là, j'avance. Il dit, non, ma fille, attends. Il t'a dit ce matin, attends, ne prends pas ta solution seule. Ne cherche pas, n'agis pas mal lorsqu'il dit non. Attends un peu, juste un peu, juste un peu, juste un peu. Laisse-moi dire à quelqu'un, ne réagis pas mal. Ne cherche pas ta propre solution lorsque Dieu dit non. Attends juste un peu, juste un peu. Oh Seigneur, lorsque ta parole touche à ta fille qui me regarde, à ton fils qui me regarde, à ton fils qui désespère, qui pense que tu l'as abandonné, à ses fils qui dit non, Seigneur, tu es où, qui se demande tant de questions, lorsque cette parole traverse ce que tu as dit que je puisse dire ce matin, voilà, je le dis ce matin, Seigneur, ce que tu as permis que je parle à ton peuple ce matin, je le dis ce matin, oh Seigneur, console ses cœurs, fortifie ses cœurs de cet enfant qui est fatigué. Toutefois, tes vrais enfants feront ta volonté. Accomplis ta volonté dans la vie de tes enfants. Accomplis ta volonté dans la vie de tes enfants. Seigneur, accomplis ta volonté. Seigneur,
Le nom de Dieu est parfait. Le oui de Dieu est aussi parfait. Ne désespère pas, attends. Attends, il va accomplir ce que tu veux au temps opportun. Il fera. Oh, maman. Oh. Il fera ce que tu demandes au temps opportun. Attends seulement. Oh. Restez là, ne quittez pas. Restez là, ne quittez pas. Restez là, n'abandonne pas. Car il est là, il voit ta prière, il écoute ta prière, il écoute ta prière. Il sait que tu es sa fille. Il sait que tu es son fils. Il sait ce que tu demandes. Il connaît la douleur de ton cœur plus que toi-même. Si tout ne marche pas aujourd'hui, parce qu'il sait ce qu'il fait. Aïe, God. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait parfaitement. Chaque fois que tu le demandes, il est là. Il voit ton cœur, ma chaque jour que tu pleures, il est là. Il écoute ta voix. Mara, ne désespère pas. Ne désespère pas. Garde ta foi et ton cœur. Oh frère, oh ne désespère pas. Juste fois devant ton père. Oh, oh, oh. À chaque fois que tu pleures, il est là. Il attend ta voix au bas. Même si ça traîne, il est là. Il attend ta voix. Jésus, il est là. Ne désespère pas, n'abandonne pas. Il est là, il te voit. Oh, à chaque jour que tu te réveilles sans rien voir, il a préparé quelque chose de meilleur que tu ne sais pas. Et à chaque fois que tu demandes ton temps, il garde pour toi quelque chose de meilleur que tu ne sais pas. Oh, ne désespère pas, ne désespère pas. Il est là à tes côtés. Oh, ne désespère pas. Ne désespère pas, il est là à tes côtés, à tes côtés. N'abandonne pas, même si ça traîne, il est là, il te court. Aïe. Il est là, même si ça traîne, n'abandonne pas. Il est là, il t'écoute. Jésus, Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là. Allez, allez, bossez. Et chaque jour, quand tu pleures, il est là.
vivent tes larmes, crois-moi, Jésus. Même quand il fait noir, il est là. Il te tient la main, crois-moi. Et si tu perds, ne désespère pas. Ne désespère pas. Il est là pour toi. Ah, ah, ah. Ne désespère pas. Et ne désespère pas. Il est là pour toi. L'adorer, tu peux l'adorer, juste élève ta voix, oh my God. Zambé mon aîné, Zambé mon aîné, Zambé mon aîné. Ah, oh, mon aîné. Zambé mon aîné, Zambé mon aîné, Zambé mon aîné. Oh, adore-lui encore une Zambé Molingo, Zambé Molingo, Zambé Molingo. Quand tu pleures, il est là. Le Seigneur est là à tes côtés. Et il est là encore à tes côtés. Crois-moi. Même si ça traîne aujourd'hui, tout ira bien demain. Zambé mon aîné, Zambé mon aîné, Zambé mon aîné. Élève juste ta voix, dis-lui, papa, merci pour ta parole. Zambé mon aîné, Zambé mon aîné, Zambé mon aîné. Dis encore avec moi, Bolingo nous étendi, na motema, na na. Et tininga na yemanze, boya Bolingo, na na. Encore une fois, Bolingo nous étendi, na motema, na na. Et tininga na yemanze, boya Bolingo, baba, na mangwa Bolingo. Ne manga bolingo, ne manga bolingo, ne manga bolingo, bolingo no etondi na motema nanga, etininga na imbanze boya bolingo, bye bye. Bolingo no etondi na motema nanga, etininga na yemanze boya bolingo nanga. Aye aye aye, hey, adori. Bolingo no etondi na motema nanga, etininga.
et dingana embatemo ai ai lo basimane kashere la baboyo samane baboyo aneria kasamane baboyo ka eni ene la bahia Jésus, Adam lui dit merci, allez, aïe, mais caille ça. Roche performance. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors connecte-toi à l'onction et la puissance du Saint-Esprit à travers l'adoration et la louange. Avec l'évangéliste immortel Kaneki de Worshipper Soul, l'âme adoratrice et l'immense Yamadouri. Worship Art.